aujourd'hui pour une petite vidéo qui sera une vidéo partenariat. Je sais que pour certains, vous en avez un peu marre des partenariats, mais je me suis expliquée dans ma vidéo blabla à ce sujet et je voulais tester le site Néjoli et je leur ai donc demandé s'ils voulaient m'envoyer quelques petits trucs pour savoir un petit peu ce que je pensais un petit peu du site, etc. Et au final, ce qui s'est passé, ça tombe très bien parce que je peux vous parler un petit peu du service client. J'ai passé une commande il y a un petit moment déjà, je crois que c'était mi-juin. Et donc il m'avait proposé de passer une commande pour 12 euros et j'ai reçu, j'ai choisi quelques petites choses, trois petites choses. Et en fait, quand j'ai reçu mon colis à peu près 15 jours après, il y avait un des produits qui était complètement cassé et inutilisable dans le paquet. Donc je les ai contactés en disant que je ne pouvais pas faire ma vidéo parce qu'il n'y avait plus qu'un produit. Et voilà, et elle m'a dit, ne vous inquiétez pas, je vous renvoie votre colis, il n'y a pas de souci. Donc ils m'ont renvoyé un colis. Après, je ne sais pas s'ils procèdent également comme ça quand vous passez des commandes directement, mais là, en tant que partenaire, c'est ce qu'ils ont fait. J'espère en tout cas que c'est comme ça aussi en tant que client lambda. Donc voilà, elle m'a renvoyé mon colis et je l'ai reçu en début de semaine. Et donc je vais vous dire un petit peu ce que j'ai commandé. Donc j'ai reçu ça dans une enveloppe à bulles comme ceci. Mais à l'intérieur, l'enveloppe à bulles était énorme parce qu'à l'intérieur les produits sont complètement enveloppés de papier bulle vachement épais. Donc il n'y a aucun souci à ce niveau là. Alors je vais vous montrer un petit peu les trois petites choses que j'ai commandées. Je vais vous montrer également la petite carte de la boutique, voilà, qui se présente comme ceci. Donc sur Néjoli, vous pouvez retrouver du nail art, des accessoires, du maquillage, des coques pour téléphone, il y a aussi des trucs pour la maison. C'est vraiment une boutique où il y a plein de choses. C'est marrant ça, c'est marqué postez votre photo sur Instagram, taguez @Néjoli et hashtaguez hashtag Néjoli. Vous aurez la chance de gagner un lot de cadeaux coûtant 8 euros. Nous tirons au sort un ou deux gagnants chaque jour. Ça peut être sympa. Donc Instagram Néjoli ou Néjoli Nail Art. Voilà, donc si ça vous intéresse, mais je vous mets tout en barre d'infos. Voilà. Alors, moi, ce que j'ai commandé... la première chose qui m'avait attirée sur le site et que je voulais tester, ce sont leurs tatous temporaires. Parce que vous savez, je suis une grande fan de tatous temporaires. Il y en avait un qui m'a tapé dans l'œil tout de suite, c'est celui-ci. Donc ce sont je l'ai pensé beaucoup plus petit, j'avoue. Donc ce sont des feuilles, des plumes en fait, avec un petit nœud rose. Et là, vous avez marqué Love Forever. Voilà. Donc voilà. Donc ça, forcément, j'en ai deux. Parce que c'est les seules choses qui restaient de ma première commande. Voilà, donc je testerai ça et je vous en dirai des nouvelles, bien sûr, je vous mettrai, si je les teste avant de poster ma vidéo, je vous mettrai dans la vidéo ce que j'en pense, sinon je ne manquerai pas de vous dire sur Instagram ou sur Facebook ce que j'en ai pensé. Ensuite, j'ai reçu une coque de portable tout simplement. Parce que, en fait, oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. Moi, j'ai les trois quarts du temps, ma coque de portable, vous savez, c'est une housse, en fait. Vous avez le rabat, parce que je le fais souvent tomber et je pense que le rabat, c'est important. Et là, j'avais envie de tester une coque toute basique et j'ai trouvé que celle-ci était vraiment trop belle. Je suis une fan de... d'attrape-rêve en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc celle-ci, je l'ai vraiment trouvée très jolie, elle est vraiment très belle, elle vaut pas grand-chose, c'est du plastique dur, hein. Voilà. Par contre, elle se tord un petit peu quand même, hein. Je sais pas si vous allez voir, mais vous pouvez tordre un petit peu. Je l'ai essayé hier sur mon portable, faut que je m'y fasse tout simplement à une coque comme ça, où il n'y a pas de protection sur l'écran, mais franchement, c'est plutôt pas mal, elle va très bien à mon portable, au niveau de l'appareil photo et tout, ça passe nickel, donc voilà. Et pour info, mon portable, c'est un Note 3. Et le dernier produit que j'ai reçu, bien sûr, pour tous les produits, je vous ai mis le prix qui défile là quelque part, hein. Et le dernier produit que j'ai reçu, c'est ceci, c'est le Kazako Dokai. En fait, c'est un... ça se présente comme ceci, comme un vernis. Et c'est quelque chose que je voulais tester depuis un petit moment. Et en fait, c'est une espèce de colle. Une espèce de colle que vous pouvez vous servir quand vous faites du nail art ou quand vous ne savez pas poser mon vernis. Quand vous ne savez pas poser votre vernis. Ça, c'est un petit clin d'œil à ma vidéo, les vernis favoris de l'été, parce que mes ongles étaient pourris, je venais de mettre mon vernis. Donc, vous mettez tout simplement cette petite colle...
Je vais vous montrer rapidement sans le faire parce que voilà. Vous mettez cette petite colle tout autour de l'ongle sur la peau. Et une fois que vous avez mis votre vernis, bah, vous pouvez retirer cette petite colle qui a séché. Et tout ce qui a dépassé de l'ongle, bah, ça reste là-dessus. Donc ça peut être bien quand vous faites des stampings, quand vous faites des dégradés avec des tampons, des choses comme ça. Donc voilà. Mais moi, je pense que je m'en servirai aussi pour poser un vernis traditionnel. Je testerai ça et je vous en dirai des nouvelles. Donc voilà un petit peu ma vidéo sur les produits que j'ai achetés chez Néjoli. Je pense que je repasserai des petites commandes dans quelques mois où je verrai bien un petit peu parce qu'il y a des petites choses qui me tentent bien, des bijoux qui sont assez sympas. Si ce site vous intéresse, bah, je vous invite à aller voir un petit peu les autres vidéos qu'on peut trouver sur YouTube. De toute façon, on en trouve plutôt pas mal de vidéos sur Néjoli. Et voilà, je vous mets tout en barre d'infos, le site, etc., etc. Et je vous mets également là quelque part et en barre d'infos un code promo de 10% que vous pouvez utiliser sur Néjoli. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant, moi je vous fais d'énormes bisous. Je remercie Néjoli de m'avoir fait confiance pour ce partenariat. Prenez soin de vous, portez-vous bien.